sais pas. La mère par Harvico, Harvico que montait Alexandre Rosset d'ailleurs, chez Cyril Aguiar, dit Christian Dior. Kate Bettener et Vakina, par Harvico et Narki. Regardez-moi cette origine, Vakina, elle a gagné. Avec La Fontaine, c'était déjà bien, elle a été troisième du Romano, car on gagne, c'était encore mieux, mais surtout, 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 elle est sœur de l'excellent surname, un nickname élevé par les Roussel, par le clan Roussel qui a porté haut les coups dans la France, en Angleterre, puisqu'il a gagné le Ascot Chase sur les cours de Ascot Group 1. C'est aussi la famille de Petnamix qui a été troisième du prix Glorieuse, celle de Cadmium et Nivaline. Narki, que Alexandre Roussel montait en course, donc il a réussi à la récupérer comme poulinière, à l'exploiter en tout cas comme poulinière, ce qui lui a permis d'avoir Surname et de garder Vakina, la sœur, fort justement, tout d'autant plus que Vakina est gagnante. Et Vakina, avec laquelle il a eu un produit de Spinnerfly qui est placé à plusieurs reprises avant d'être exporté en GB, donc on le reverra l'année prochaine, à 5 ans. Vakina, une autre Spinnerfly, j'ai 3 ans. Vous êtes un Basket Marvel. Et enfin, cette femelle, la Grand Thunder, qu'on va voir au trou désormais. Lâchée. Au trou. Adrien Lacombe qui entraîne Fazaïd, c'est bien ça. On va voir cette fille de Great Pretender. Alors, Great Pretender, évidemment, c'est plein de bons chevaux, plein de galants de groupe 1. Et un cheval, peut-être qu'on parle moins souvent dans la production de Great Pretender. C'est Amazing Comedy qui s'est imposé ici dans l'Angeloire Challenge 2019. Oui, ce que je m'étais assez pertinent. Merci François Thomas. Effectivement, parce que tout le monde connaît les champions de Great Pretender.